Mesdames, messieurs, venez nous retrouver dans la... autour de la grande carrière. La compétition continue. Mesdames, messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus. Bienvenue à Pau, bienvenue au pied des Pyrénées pour cette édition 2018 des 4 étoiles de Pau. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes pour certains d'entre vous présents depuis tôt ce matin pour avoir pu assister à l'inspection des chevaux, l'inspection par le jury et par les vétérinaires pour vérifier que tous les chevaux sont en bonne forme pour poursuivre la compétition et s'engager dans cet ultime test, le test du saut d'obstacle, le test du concours hippique. Deux épreuves qui sont organisées, vous le savez, comme de tradition chaque année, un concours 4 étoiles et un concours 2 étoiles. Nous allons commencer ce matin avec le saut d'obstacle du 2 étoiles dans quelques instants. Je vous rappelle, pour ceux peut-être qui découvrent ou connaissent pas assez bien encore le concours complet, le principe, les cavaliers sont venus, ils ont réalisé leur reprise de dressage, elle a été notée par nos juges, Monsieur Richard Baldwin et Marie-Christine Delorière, qui ont jugé chaque figure aux trois allures et qui ont donné des notes transformées en points de pénalité. À ces points de pénalité se sont éventuellement ajoutés ceux d'hier, encourus sur le cross, les pénalités aux obstacles éventuellement, et surtout les pénalités de temps, car le temps a été très difficile à faire hier. Et on va rajouter aujourd'hui, ce matin, les pénalités éventuelles du saut d'obstacle. Lorsqu'une barre est renversée, on comptera 4 points de pénalité. Puis il y aura aussi un temps accordé dont on vous parlera un peu plus tard et qu'il faudra respecter. Voilà pour ceux, peut-être, pour remettre un petit peu les principes et les règles du jeu en piste. Et on dit bien sûr bonjour, comme c'est un international, à nos amis anglophones. Welcome to the final act of this two-star competition, the show jumping phase today. The riders go in reverse order, and coming into the arena in a couple of minutes' time is the first competitor this morning. Eh bien voilà, tout le monde est prêt. Le jury est prêt. Monsieur Francis Normandin également est ici pour juger ce test du saut d'obstacle. Nous partons dans l'ordre inverse du classement provisoire. Nous pouvons ouvrir la piste. Mesdames, messieurs, voici la finale, le concours épique du 2 étoiles de Pau-Pyrénées 2018. Musique. Allez, c'est parti pour l'Espagne. Carlota Berges Masso est la première à s'élancer avec Abril de la Galana. First to go, and in reverse order, she's in 40th place, Carlota Berges Masso with Abril de la Galana on a score of 114.5. Elle part avec 114.5 de refus hier sur le cross.
Aïe, 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 malheureusement, deux refus sur le test du saut d'obstacle. Il y en avait eu hier également sur le cross pour Carlota Berges-Masso. Et donc, c'est malheureusement l'élimination. Elle doit être évidemment extrêmement déçue. Je vous invite, même si on n'est pas encore très, très nombreux, voilà, à la raccompagner avec quelques applaudissements. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Et voilà, pour tous, quelle que soit la performance, c'est déjà quand même un bel exploit d'aller au bout de ce concours. Et nous les accueillons et nous les réconfortons quand cela n'est nécessaire. Voici la Nouvelle-Zélande qui entre en piste. Caroline Powell, malheureuse également hier sur le cross avec deux refus, alors qu'elle était troisième après le dressage. Caroline Powell, Flipper K. Unfortunately, therefore, Carlota Berges-Masso elimination with two refusals. Caroline Powell in the arena now on Nicholas and Fiona Lambert's Flipper K, a 9-year-old mare, and they're on a score of 88.4. A little bit unlucky yesterday across country with two refusals. Well, the first, well done, Caroline Powell, Flipper K for New Zealand. They finished on a lovely clear there, and they're inside the time allowed. Time allowed is 72 seconds. The judges still have a few moments to change that, but 71 seconds for Caroline Powell and Flipper K. She finishes on her score of 88.4. Sans faute donc pour Caroline Powell avec Flipper. Quatre gardes sont au total donc du dressage et du cross, 88.4. Nous accueillons la Belgique, Cyril Gavrilovic avec Astucieux de Prades. Il part avec 72.5. Il y a eu un refus hier sur le cross. Cyril Gavrilovic next to go for Belgium. He's riding Astucieux de Prades, a self-français gelding by Idéal de la Loge, owned by Jonathan Marbon. And they're on a dressage and cross-country score of 72.5. Et le sans faute. Ah, il y a un petit peu de temps dépassé. 73.5. Oui, il n'y a pas de barre renversée, mais vous savez qu'il y a ce temps accordé à respecter de 72. Et là, on.
73 seconds. So one time fault incurred on Astucieux de Prade, final total of 73.5. Allez, dépardonné par cette sonnette à Manon Boucou, qui se présente maintenant avec Upsas Tiente, son fils de Flipperdale, qui est un cheval qui est âgé de 10 ans. 72 points de pénalité avec un refus sur le cross hier pour Manon Boucou. For France, Manon Boucou on her own Upsas Tiente on a score of 72 penalties. Et c'est un sans faute ici pour Manon Boucou. Et on est dans le temps puisque Manon termine son parcours en 169 secondes. Donc tout va bien, pas de pénalité, on termine sur un sans faute. Bravo à Manon et Upsas Tiente. Lovely clear for Manon with Upsas Tiente. She's in the time and out, she's in 69 seconds. So she keeps her 72 penalties. La Belgique s'élance maintenant. Voici Christian Chabot avec Belle Romance. 68.1, un refus également sur le cross hier pour le cavalier belge. Il part en 36e position. Je vous rappelle qu'on part dans l'ordre inverse du classement provisoire à l'issue des deux premiers tests. Moving up the order with Christian Chabot, Belle Romance for Belgium. A score of 68.1. as they come into the show jumping phase. Christian Chabot qui termine le cavalier belge avec Belle Romance, son parcours. 12 points de pénalité aux obstacles. Il y a également du temps dépassé en 76 secondes, soit 4 points supplémentaires de temps dépassé pour Christian Chabot. 12 jumping penalties, 4 time faults. Time is confirmed at 72 seconds and he's in 76, so a final total of 84.1. Bienvenue à l'Espagne. Antonio Cerrudo Caro et Duque. Pas de pénalité aux obstacles hier sur le cross, mais un peu de temps dépassé. Il s'élance avec 64,2 points. Next to go riding for Spain, Antonio Cerrudo Caro with the Duque HSM, owned by Hanover San Miguel. They're on a score of 64.2.
and were clear yesterday across country with just time faults. Et on termine avec Antonio Cerrudo Caro, le cavalier espagnol. Il y a 4 points de pénalité aux obstacles. Le temps est de 82 secondes, donc 10 secondes de plus que le temps accordé. Et c'est 1 point la seconde, donc 10 points de pénalité au temps pour Antonio Cerrudo Caro. Il termine ce concours complet avec 78,2 points. For Antonio Cerrudo Caro, a time of 82 seconds, that's 10 time faults, 4 jumping penalties and a total of 78.2 to finish the competition for the Spanish combination. Départ vient d'être donné à Maxence Agege et Very Nice de Vibé. 63.2. L'arrivée avec 3 barres renversées, soit 12 points de pénalité pour Maxence Agege et Very Nice de Vibé. Il n'y a pas de pénalité de temps dépassé. Total de 75.2 à la fin de la compétition pour le cavalier français. Nous accueillons les premières chances britanniques dans ce concours 2 étoiles. Sarah Holmes avec Greenville Corriado. 34e après le dressage, un peu de temps dépassé hier sur le cross, elle part avec 62.6. For Maxence Agege for France with Very Nice de Vibé, a total of 12 jumping penalties. He was in 70 seconds. And next to go is Sarah Holmes riding Caroline Ross's Greenvale Corriado. They're on a score of 62.6.
Aïe, 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 le, sans faute, bien sûr, joli parcours hein, réalisé, attention, sur la piste par Sarah Holmes, mais il y a 75 secondes, donc 3 secondes de trop, égale 3 points de pénalité supplémentaires, c'est la raison pour laquelle on n'a pas envoyé le petit jingle, mais c'était un beau parcours néanmoins hein, pour Sarah Holmes. Retour de la France, il est prêt à partir, il salue le jury, c'est Fabien Aubisson, bienvenue à lui avec Quid de la Gautrenie, 60.1. For Sarah Holmes, that was a clear round, but with three time faults. She was in 75 seconds, so she finishes on 65.6 penalties. Next to go for France, Fabien Aubisson on his own Quid de la Gautrenie and a score of 60.1. On termine avec Fabien Aubisson avec trois fautes aux obstacles du temps dépassé en 75 secondes. Total de 15 points sur le jumping et 75.1 sur l'ensemble du concours complet. Retour en Espagne, Ima Garcia Reyes et Elton arrivent ici avec 59 points. C'est la 31e place au classement provisoire. Moving up the order with Ima Garcia Reyes next to go on Elton VDR for Spain. She owns this Belgian sport horse, aged 8. And they're on a score of 59 penalties. For Fabien Aubisson for France and Quid de la Gautrenie, 12 jumping penalties, 3 time faults in 75 seconds. Huit points dans le temps accordé pour Ima Garcia Reyes avec Elton. Tonya Jellett arrive maintenant, c'est la Grande-Bretagne qui est de retour. Mac Cowley's Thunder, 57.20. Great Britain is next to go. Tonya Jellett on Macaulay's Thunder. She owns this horse by Jupiter Duto, age 12, and they're on a score of 57.2. Clear yesterday across country, just time faults, and in 30th place after cross country.
Il y aura du temps dépassé pour Tanya Gillett, Macaulay, Thunder. 4 points aux obstacles, 5 points de temps dépassé, 9 points sur le jumping. Total de 66,20 à la fin de cette compétition pour la Britannique. Retour en France, Marion Serre et Triane Deauville, celle de Sarre numéro 218 avec cette jument de 11 ans. 57,20. For Tanya Gillett and Macaulay Thunder, 4 jumping penalties, 5 time faults in 77 seconds. Moves her down to 31st place. Marion Serre next to go with Triane Deauville. Owned by the rider, this combination are on a score of 57.2 with just 12 time faults yesterday across country. Et on dira aussi du temps dépassé pour Marion avec Triane Deauville. 2 points, 2 secondes de trop, 2 points de temps dépassé, 2 points de pénalité supplémentaires, plus les 8 points pour les deux barres. Total de 10 points sur le jumping, 67,2. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention. Pour l'instant, ces petites secondes de trop n'ont pas forcément de conséquences sur le classement puisqu'on est plutôt en bas de tableau. Mais plus on va se rapprocher du top 10, des 10 meilleurs, plus ces quelques secondes seront pénalisantes. Mais il semble bien quand même que le temps accordé soit difficile à réaliser, tout au moins pour l'instant. Nous accueillons Marie-Caroline Barbier. Elle était 41e après le dressage. Hier, un bon parcours de crosse, sans prendre trop de pénalités de temps une fois de plus. Et la voici en 28e position avec 50,4. Union Libre Fly. For Marion Serre, that's 8 jumping penalties, 2 time faults in 74 seconds. And Marie-Caroline Barbier for France is next to go with her own Union Libre Fly. Serre Francais, gelding age 10, on a score of 50.4, lying 28th. She was clear yesterday across country with just 10.8 time faults. On termine avec 4 points pour Marie-Caroline. Union Libre Fly, eh bien, elle est dans le temps accordé. Elle est même allée plutôt assez vite. Et en 67 secondes, 54,4, c'est le total à l'issue de cette compétition. Petite précision aussi pour ceux qui découvrent peut-être la discipline. Il y a un temps accordé, mais le chronomètre n'a pas d'influence ici. Ce n'est pas parce qu'on réalise son parcours plus vite qu'on gagne des points. Nous accueillons Alexis Goury. Alexis Goury, que l'on retrouvera également cet après-midi, puisqu'il est en bonne position dans le concours 4 étoiles. Pour l'instant, dans ce niveau 2 étoiles, il est avec un cheval qui s'appelle Vidocq de Tell. Il était deuxième après le dressage, mais un refus hier sur le cross. Et le voici maintenant en 27e position avec 50 points de pénalité. For Marie-Caroline Barbier, one of the younger French riders on Union Libre Fly. She's four faults
And so that's the score of 54.4 to finish with. She was inside the time allowed in 67 seconds. Alexis Goury is in the arena with Vidocq de Taël, Gwenaëlle Le Breton's Celle Français 9-year-old, on a score of 50 and lying 27th. C'est un sans faute ici, signé par Alexis Goury avec Vidocq de Taël. Et on voit le cavalier qui caresse son cheval, bien sûr, content de cette performance. Et c'est de bon augure. Enfin, souhaitons-le pour cet après-midi que ça donne mettre Alexis en confiance pour le 4 étoiles. Il conserve donc son total de dressage et du cross. 50 points de pénalité pour le français. On accueille maintenant l'Espagne à nouveau, Gonzalo Blasco Botín, avec Lightstream, qui est un cheval de race Trakehner, qui est âgé de 8 ans. Avec lequel il s'élance 47.8. Lovely clear for Alexis Goury. So he keeps his 50 penalties, clear inside the time. Gonzalo Blasco Botín is next to go for Spain on Lightstream on 47.8. Just a few time faults yesterday across country for the Spanish rider. Et on est sans faute sur la piste, mais il y a un petit point de temps dépassé malheureusement pour Gonzalo Blasco Botín. 73 secondes, un point de pénalité pour ce temps dépassé qui décidément cause quelques soucis à nos cavalières et cavaliers. 47.8, 48.8 à la fin du concours. La France à nouveau, voici Edwige Doze et Wolf Morea, ce Hongre de 8 ans qui est un fils de l'étalon Derby Rouge. Elle s'élance avec 47 points. For Gonzalo Blasco Botín, clear round, but with one time fault in 73 seconds. So his score moves to 48.8 to finish the competition. Edwige Doze is next to go on Wolf Morea. Wolf Morea is a Celle Français gelding, age 9. And they're on a score of 47 penalties. Again, just time faults yesterday across country.
Et nous avons aussi du temps dépassé et un total de 62 points pour Elvie Doge avec Wolf Morea. On enchaîne avec Rémi Torres, Season de Riverland, un anglo-arabe, ici une jument anglo-arabe par Hermès Dautieux, 45.3. For Edwige Dawes, quite a lot of time. She's in 79 seconds. That's 7 time faults, 8 jumping penalties, a total of 62. And in the arena now for France, Rémi Torres on his own Season de Riverland, 12-year-old anglo-arab mare. Alors, que se passe-t-il? Le président voilà, a fait signe par ses petits coups de sonnette répétés que Rémi ne pouvait pas partir car la piste n'était pas totalement remise en place. Donc on va redonner un départ à Rémi. Voilà, une barre cassée, donc juste quelques instants de patience tant que nos chers bénévoles puissent la remplacer. Ok, donc pour que ça soit clair pour le public et pour Rémi, Rémi va reprendre son parcours depuis la ligne de départ, il va refranchir le numéro 1. Si par malheur il faisait tomber le numéro 1, cela ne compterait pas. Voilà. Hein, alors, c'est la décision du président du jury pour redonner toutes les chances aux cavaliers et laisser la priorité au sport après ce petit contretemps technique. Merci à nos chers bénévoles et ils sont très nombreux tout au long du week-end. Merci, jeunes gens, pour votre aide. Et on va pouvoir donc le petit coup de sonnette et redonner le départ à Rémi. Ah, malheureusement, un deuxième refus ici, c'est l'élimination de Rémi Torres qui doit être déçu et quelques applaudissements pour le raccompagner. Marco Biazia s'élance pour l'Italie avec Trésor de la Loge. Well, unfortunately for Rémi Torres for France and Season de Riverland, that was elimination, so he is out of the competition. And next to go for Italy is Marco Biazia with Trésor de la Loge. This is a French-bred sale français by Canaan, aged 9. They're on a score of 45.2. And this horse is owned by Jonathan Cisternas.
4 points sur la piste pour Marco Biasia et il est dans le temps, il est en 70 secondes et donc son score évolue à 49.2. Final score for Marco Biasia for Italy of 49.2 with 4 jumping penalties in the arena in a time of 70 seconds. Next to go for Spain, Blanca Garcia Vidal on Staff Deschamps. Blanca Garcia Vidal qui prend le départ maintenant après Marco Biasia pour l'Espagne. Elle présente Staff Deschamps, celle française, propriété de David Jane Hamilton et Ellen Roberts avec un score de 45 points. Et on est à la 22e place. Et il y a une barre renversée et un petit peu de temps dépassé pour Blanca Garcia Vidal et Staff Deschamps. Un total de 51 points. Nous accueillons Émilie Bartholomé avec Tequila de Carnaval, sa jument par élan de la cour. Elle était 45e après le dressage. Elle a réalisé hier le seul parcours du cross dans le temps. La voici donc avec un total de 45 points. Une 21e place au classement provisoire pour Émilie Bartholomé. In the arena now, Emily Bartholomew with Tequila de Carnaval, a horse she owns. They're on a score of 45 penalties with a clear inside the time yesterday across country. For Blanca Garcia Vidal and Staff Deschamps for Spain, 4 jumping faults, 2 time faults in 74 penalties in 74 seconds. Quatre points dans le temps pour Émilie Bartholomé avec Tequila de Carnaval. Et donc, elle termine ce concours complet avec un total de 49 points. La Nouvelle-Zélande, J.C. Campbell, avec ce cheval de sport irlandais qui s'appelle High Spy. 44.8, c'est la 20e place au classement provisoire. Going into the top 20 now with Jesse Campbell for New Zealand on I Spy, horse owned by the rider and Kent Gardner, Irish sport horse, aged 7. 44.8, that's his total of penalties after cross country yesterday and 13.2 time faults across country. For Emily Bartholomé, 4 faults and a final total of 49. She's in the time allowed, she's in 69 seconds.
Et malheureusement, la faute sur le dernier vertical aux couleurs de Free Jump qui coûte 4 points de pénalité à Jesse Campbell et Harris Pye pour la Nouvelle-Zélande. Total de 48,8 pour le cavalier Kiwi à la fin de ce concours complet. Portugal maintenant en piste. Joachim Grave et Formiga. Ils étaient 43e après le dressage, donc plutôt bas de tableau. Un bon parcours de cross hier, sans prendre trop de pénalités de temps. Les voici qui remontent donc à la 19e place, avec 44,3 de pénalité au départ. That was very unfortunate for Jesse Campbell, the last rail down in the show jumping arena. He's inside the time with four faults and goes on to a score of 48.8. And in 20th place at the moment, Joachim Grave with Formiga is next to go for Portugal, lying 19th, with on a score of 44.3. Et faute également sur le dernier vertical free jump pour Joachim Grave, le cavalier portugais avec Formiga, 52,3. On est dans le temps accordé, 52,3 à la fin de ce concours pour le cavalier Joachim Grave. Retour avec les chances françaises à la 18e place du classement provisoire après le dressage et le cross. Nous accueillons Jeanne Pégot-Augier et Ruby des îlots. Eight faults for Joachim Grave for Portugal with Formiga, a final total of 52.3. And in the arena now for France, Jeanne Pégot-Augier with Ruby des îlots. They're in 18th position on a score of 44. 12.8 time faults yesterday across country. Et le sans faute pour Jeanne Pégot-Augier. Le sans faute de Jeanne Pégot-Augier dans le temps, on est en 69 secondes. Tout va bien avec Ruby des îlots. Elle conserve donc son total du dressage et du cross. Et elle est donc au moins assurée d'une 18e place dans cette épreuve. Nous accueillons donc en fort, logiquement, la 17e place au classement provisoire, avec 44 points de pénalité, Romain Arquet et Alias de Presles pour la France.
Lovely clear for Jeanne Pégorgier with Ruby Dizilo. So she keeps at least her 18th place and her score of 44 penalties. Romain Arquet with Aliès Deprel in the arena. They're on a score of 44 also, but were faster across country yesterday. So in front of Jeanne. Et le vertical free jump à nouveau qui cause la faute alors que tout allait bien jusqu'à présent. 4 points de pénalité supplémentaires pour Romain Arquet avec Aliès Deprel. 48 points donc au total à l'issue du concours pour le cavalier français. La voici qui entre au trot, Marie Capot. Valkyrie d'Arise est une jument de 9 ans par 4 sous. Propriété de sa cavalière. Elle s'élance avec 43.8 en 16e place au classement provisoire. Well, still going up the order. We're in 16th place provisionally with Marie Capot, Valkyrie d'Arise next to go. Horse that Marie owns. This is a 9-year-old self-français mare. They're on a score of 43.8 for Romain Arquet. The last rail down, incurring four penalties, 48 to finish the competition, moves him down to 18th place and moves Jeanne Pégorgier up to 17th. Marie Capot et Valkyrie d'Arise concluent avec une faute. Un petit point de pénalité de temps dépassé. Total de 5 sur le jumping. 48.8 à la fin du concours pour Marie Capot. Nous accueillons Sébastien Cavaillon. Cécilia Monclin à la 15e place. Elle monte cette jument qui s'appelle Saumur. 43.4. Elle était 25e après le dressage. Maintenant 15e après le cross. Pour la France, Cécilia Monclin. For Marie Capot, 4 faults and 1 time fault in 73 seconds. Next to go for France, Cécilia Monclin on Saumur. A 13-year-old mare. They're on a score of 43.4, just 9.2 time faults yesterday, and she's in 15th place.
Ah là là, beau parcours, pas de pénalité et le temps qui vient encore coûter quelques 3 points supplémentaires pour Cécilia Moncla avec 46.4, mais c'est un bel exploit déjà et elle est contente de cette performance. Elle caresse sa jument Saumur et termine ici avec 46.4 et elle sera au moins à la 16e place. Cette fois-ci, c'est bien Sébastien Cavaillon. Sébastien qui a également un cheval, une jument, tout à l'heure dans le 4 étoiles. Sébastien qui présente ici Paris-Boston Z, 41.7, 14e place au classement provisoire. A clear for Cecilia Moncla with 3 time faults in 75 seconds. And that moves her down one place with a total of 46.4. Sébastien Cavaillon is next to go on Paris. Boston Z is Angershire horse he owns. They're on a score of 41.7 in 14th place. Quatre points dans le temps pour Sébastien Cavaillon avec Paris-Boston Z, 45.7 au final pour le cavalier français. Lorraine Vincent enchaîne avec ce Hongre fils de Jaguar Mike qui s'appelle San Siro, 13e au classement provisoire avec 39.6. Pour Sébastien Cavaillon et Paris-Boston Z, total of 4 faults. Moves him down one place with 45.7. He was in the time allowed in 71. And Lorraine Vincent Saint-Siro is next to go still for France on her own and Françoise Fouché's Saint-Siro. Self-Francais gelding aged 12 on a score of 39.6. And there again, just 9.2 time faults yesterday across country. She's lying 13th. On est dans le temps et on est sans faute pour Lorraine Vincent et San Siro. C'est une belle performance car on a vu qu'il y a souvent des petites fautes depuis le début de l'épreuve. Et donc quand il y a un sans faute et en particulier lorsqu'on approche de la tête du classement, eh bien c'est payant. Et donc Lorraine est ainsi assurée au moins d'une 13e place. Et ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va faire. Les autres qui enchaînent maintenant. Nous accueillons maintenant la 12e place au classement provisoire. C'est l'Espagne qui est représentée. Dernier représentant espagnol de cette épreuve. Eduardo Villadufresne avec Gustavo, 39.1. For Lorraine Vincent, a lovely clear. So she keeps her 39.6. Eduardo Villadufresne in the arena on Gustavo for Spain.
Et l'arrivée d'Eduardo via Dufresne. Il y a des bars. Et il doit être déçu de terminer, bien sûr, ce concours avec autant de bars. Il doit être forcément un petit peu embêté de cela. Donc, raccompagnez-le avec quelques applaudissements. Le cavalier espagnol Eduardo via Dufresne. Hugo Provazzi est prêt. Il présente ici Shadok. Il est 11e au classement provisoire. Sachez qu'il y aura 12 classés. Donc pour l'instant, Lorraine Vincent est assurée d'être classée. 11e place au classement provisoire pour Hugo Provazzi avec Shadok avec 38.5. Well, 12 riders will be placed in this competition for Eduardo Villa Dufresne. Unfortunately, that puts him right out with 24 jumping penalties. And next to go for France, Hugo Provazzi on Shadok on a score of 38.5. Et l'arrivée d'Hugo Provazzi avec une barre, 4 points de pénalité. Il passe donc à 43.5. Et il passe donc derrière Lorraine Vincent, mais quand même assuré d'être au classement avec une 12e place, Hugo Provazzi. Julie Simonet. Au départ avec Sursum Cordor. L'Anglo-Ara, Sursum Cordor, le fils de Yarland Summersong, bien sûr. Et l'élevage de Laurière qui est ici à l'honneur. Avec Julie Simonet, 10e au provisoire, 38.5. Alors un petit message, il y a deux voitures sur le parking des cavaliers qui gênent pour le départ justement d'un cavalier qui souhaiterait en partir avec son camion. Une voiture, une Renault immatriculée EZ383HQ. Et également une Fiat 500 EX 490 ZR. Merci de les bouger rapidement. Et le sans faute de Sursum Cordor et de Julie Simonet. Et ça fait plaisir, bien sûr, ce sans faute. Ça fait plaisir à plein de monde. Ça fait plaisir à Luc Simonet, à Karine Larazé, bien sûr. Les parents qui sont là. Et ça fait certainement plaisir, en effet, à Renaud de Laurière qui a fait naître ce cheval qui est avec nous ici. Et c'est un message à tous les éleveurs qui sont avec nous, à Marie-Christine du Roi de Laurière et qui... Également connaît bien ce cheval et qui connaît très bien Yarland Summersong avec laquelle elle avait gagné 5 titres de champion de France, médaille d'argent au championnat d'Europe, Pratoni del Vivaro et tant d'autres, j'en oublie.
et médaille d'or à Fontainebleau. Ah, ça fait plaisir. Allez, elle prend la tête du classement provisoire et nous donnons le départ maintenant à David Dole pour la Grande-Bretagne avec Galileo New Mood. 37.1. In ninth position, and just starting for France, David Dole, Galileo New Mode for Great Britain. Gillian Jonas's horse, this is a seven-year-old, and they're on a score of 37.1. Et l'arrivée de David Dole avec 4 points de pénalité dans le temps, total de 41.1. Et ça sera une 11e place au moins assurée pour le Britannique. Il ne reste donc que des Français maintenant à passer, les 8 premiers. Et nous accueillons celle qui sera également dans le 4 étoiles tout à l'heure. Clara Loiseau avec Franz Hals, 8e provisoire, 36.3. Four faults for David Dole and Galileo New Mode, but he will remain in 11th place at least in this competition with a final score of 41.1. In the arena, Clara Loiseau on the dressage leader, Franz Hals, 11.2 time faults yesterday, put her back to 8th place on 36.3. Clara Loiseau qui termine avec 8 points. 8 points, ça passe son total de points à 44.3 et donc une 13e place. Malheureusement, je crains qu'elle ne sorte du classement. Mais on pense bien sûr à Clara et on sera avec elle tout à l'heure dans le 4 étoiles plus particulièrement où il y aura un très fort enjeu également. Voici toujours pour la France et il effectue une belle remontée puisqu'il était 23e après le dressage. Le voici après un joli parcours de crosse et un tout petit peu de temps dépassé à la 7e place au classement provisoire avec 35.8. Les couleurs de l'École nationale d'équitation et des arts nationaux liés à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Victor de Diane, ENEHN, l'écuyer du cadre noir de Saumur, Arnaud Boiteau, le champion olympique par équipe de 2004, est ici en notre compagnie pour ce 2 étoiles. Victor de Diane, Arnaud Boiteau pour la France. Still moving up the order in 7th place, Arnaud Boiteau next to go for France, 35.8 penalties with Victor de Diane, a horse owned by the French Riding and Horse Institute. For Clara Loiseau, 8 faults puts her into 13th place for the moment on a score of 44.3.
Aïe, 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 la faute de Victor, de Diane, ENERA Nationaux avec Arnaud Boiteau. 4 points qui vont coûter cher, 39,8 au total. Ouf, il reste au classement et est au moins quand même assuré d'une 9e place. Nous continuons de les accueillir dans l'ordre inverse du classement. Voici la 6e place au classement provisoire. Et une jument qui s'appelle Bêtise de la Boiselerie, qui est l'une des toutes jeunes juments de cette épreuve, deux jeunes chevaux de cette épreuve. Elle a 7 ans seulement. Bêtise de la Boiselerie, avec la complicité de Amaury Choplin pour la France. 19e après le dressage, ils sont 6e maintenant, avec 35,2. Four jumping penalties, 39.8 for Arnaud Boiteau and Victor de Diane. So Julie Simon is moving up the order. She now goes into 7th and Lorraine Vincent into 8th. Amaury Choplin in the arena on Bêtise de la Boiselerie on a score of 35.2. 7-year-old horse owned by Aurélie Toulouse. Nous terminons avec 4 points pour Amaury Choplin et Bêtise de la Boiselerie et 39,2. Les fautes d'Amaury, les fautes d'Arnaud Boiteau, de Clara et de David font les belles affaires de Julie Simonet qui pour l'instant avec son Soum Cordor est en tête. Et donc maintenant nous accueillons la 5e place, Igor Jamin avec Harrison DNZ pour la France. Toujours 34,8. Four faults for Amaury Choplin with Bêtise de la Boiselerie and a score of 39.2. He moves down to 7th place at least. And Igor Jamin in the arena, Harrison DNZ, owned by the rider. This horse is on a score of 34.8 and lying 5th. Et le sans faute ici de Igor Jamin. Super. Le sans faute d'Igor Jamin avec Harrison DNZ qui assure donc conserve son total du dressage et du cross. 34,8. Il est au moins assuré donc d'une 5e place. Et Julie passe à la 6e place, assurée au moins pour l'instant.
Il est content, Igor, jamais. Bravo. Quatrième place au classement provisoire. Voici Raphaël Hollard avec Thanks des Salines. 33.8. So Igor Jamin Harrison DNZ, a lovely clear, and he keeps his 34.8, putting the pressure on the top four. Raphaël Hollard in the arena now with Thanks des Salines on 33.8, 4.4 from the lead, with just 1.2 time faults yesterday across country, and a very big step up from 21st in the dressage arena. Une faute, 4 points. 4 points pour Raphaël Hollard avec Thanks des Salines. 37.8 donc au total. Et il passe derrière Igor Jamin. Et voici qui arrive en piste maintenant. La troisième place du classement provisoire avec Arpège du Mancel, ce fils de Kwaitizi. Et le plaisir d'accueillir parmi nous l'un des héros de l'équitation française maintenant. Souvenez-vous ici. Et on lui rendra hommage tout à l'heure, particulier. Il gagnait le 4 étoiles il y a 3 ans avec Piaf de Benville. Et puis la médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio. Et la médaille d'argent, bien sûr, en individuel. Voici Astier Nicolas pour la troisième place, peut-être dans le 2 étoiles. Pour Raphaël Hollard, unfortunately, 4 faults. So it moves him down the order a bit. Goes behind Igor Jamin, who moves up to 4th. And Astier Nicolas in the arena now, of course, the... Team gold medalist at Rio. He's here on Arpège du Mancel, owned by Pascal Ravry, on a score of 33.2. Le sans faute d'Astier Nicolas avec Arpège du Mancel. Astier donc qui assure maintenant et s'assure au moins d'une troisième place. Et j'en profite pour vous dire que tout à l'heure, après le CSO du 4 étoiles, eh bien nous avons préparé une petite surprise pour rendre hommage au cheval d'Astier Nicolas, son cheval des Jeux Olympiques, son cheval de peau, avec lequel il gagnait le 4 étoiles, Piaf de Benville, ce cheval qui va prendre sa retraite maintenant. Et on vous a préparé une petite surprise après le CSO du 4 étoiles. Soyez des nôtres tout à l'heure, ça sera vraiment un très bon moment. Nous enchaînons pour l'instant, voici la deuxième place au classement provisoire de ce 2 étoiles, avec cet anglo-arabe, fils de Kerkus du Mori, qui s'appelle Vue du Ciel, une jument. Elle part avec 32 points. Il ne faut pas qu'elle fasse de faute si elle veut le conserver. Elle veut conserver sa deuxième place. Et on accueille bien sûr Héloïse Le Guerne pour la deuxième place au moins.
Lovely clear for Astier Nicolas with Arpège Dumoncel, who remains at least in third place. And of course, there's not a rail between the top three. So Héloïse Luguerne, Vue du Ciel, has to go clear if she wishes to stay in second. She's on a score of 32 penalties. Héloïse Luguerne for France on this Anglo-Arab mare, age 9. Aïe, 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 l'arrivée d'Héloïse Luguerne et une faute, 4 points de pénalité. Elle avait 32 points, elle passe à 36. Et donc, avec Vue du Ciel, et elle passe donc à la quatrième place à ce moment de la compétition, privée du podium pour l'instant. Mais attendons, voici le dernier passage, il arrive avec 29.4, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre de faire une barre, sinon c'est Astier qui va gagner. Alors on lui souhaite bonne chance, bien sûr, on lui souhaite de faire un sans faute. Attention au temps accordé aussi, Esprit de la Loge nous arrive et vous vous souhaitez la bienvenue et bonne chance à Jirek Lecoz. Four faults for Héloïse Luguerne, so she moves down to fourth place provisionally. Guirec Lecoz last to go. Esprit de la Loge on 29.4. And he has no right to have one rail down, otherwise he moves down one place. Et le sans faute de Guirec Lecoz. Aïe, un petit peu de temps dépassé. Ça lui fait un point. 30.4 au total. Il gagne quand même ce 2 étoiles. Guirec Lecoz, la Bretagne avec Esprit de la Loge. Oh, just one time for to finish, but a beautiful clear. Et le tour était magnifique. Magnifique, Guirec. C'était vraiment avec Esprit de la Loge. Hunter, comme on dit dans notre... Pas peut-être le numéro 1, mais sinon, tout s'est quand même très bien passé. Et ça mérite encore des applaudissements pour Esprit de la Loge et Guirec Lecoz. Victoire française. Et Guirec qui sort maintenant, qui va être félicité. Je vois Thierry Touzin, l'entraîneur national, qui est là, qui lui fait un bon check. Bravo. Et voilà qui va faire plaisir... à Frédéric et Augustin Grand, qui sont les propriétaires d'Esprit de la Loge. Voilà, félicité par tout son entourage. Les amis, les grooms, les propriétaires.
Michel de Châteauvieux là, qui vient le féliciter. Tout ça est une belle victoire. La deuxième place sera pour Astier Nicolas avec Arpège Dumancel. La troisième pour Igor Jamin qui remonte, une belle remontée avec Harrison DNZ.